D'accord, donc on va essayer de trouver cette application. Donc je reprends les mots du Rambam, ensuite on... Donc, Rambam, donc, il chotch gagot, perek bet, ala chavav. Kol amechouyav, khatat kevoua. Donc tout celui qui est chayav d'un khatat, al shigigato, sur sa, son shogeg, son erreur de shogeg, il a su donc après avoir fait l'erreur, il a eu conscience. Même si au départ il n'avait pas la yedia de ce qu'il a fait, c'est-à-dire chez Zé, il ne savait pas que c'était une erreur. Il est quand même chayav d'un khatat. Et ketsad, comment on peut présenter ce cas-là, on peut définir ce cas-là. Tinok chez Nishba, ce que ramène ici la Gemara dans le Daf Samechet. Le Tinok chez Nishba, l'Eben Ha'akum, donc il a été, s'est retrouvé au milieu des Goïm. Vegadal, il a grandi là-bas. Vehu eno yodea, il ne sait pas Mahem Israël. C'est quoi le Ham Israël? Il n'a aucune connaissance. Velo datam, ni la religion, il ne connaît rien. Ve'asa melacha be'shabbat, ou bien ve'achal helev ve'dam. Le issour, ça peut être aussi sur achila de issour. Il a mangé du helev, la graisse interdite, ou bien le dam, du sang. Kishivat alo shehu Israël, lorsqu'il va prendre conscience que lui, il est en Israël, ou mtsuve al kolelu, il a une loi, il a des recommandations. Alors, chayav le'avi chatat al kol avera ve'avera. Sur chaque avera qu'il a faite, il doit amener un korban. Oui, parce que, attention, il faut savoir quand même que les avérotes, on ne peut pas les mettre tous dans le même sac. Chaque avéra, oui, chaque avéra, elle nécessite un corban pour cette avéra. C'est pas comme le cas de celui qui fait la même melacha à plusieurs reprises et après il se rend compte de son erreur. Ça, c'est différent, on est dans le même registre. Et quand il s'agit de avérotes différentes, d'ailleurs, il y a aussi une Mishnah dans Kritout, dans Masechet Kritout. La Mishnah, il faut voir là-bas la fin de la Sugya, comment ça ressort, mais de la Mishnah, déjà, on voit une nuance dans le din de Achilat Issour, quelqu'un qui consomme un aliment assour. On voit là-bas une différence entre Minechad et Minim Harbe. S'il a mangé plusieurs kazetim d'une même espèce, c'est un din. S'il a mangé plusieurs kazetim d'espèces différentes, c'est un autre din. On voit que la diversité de Averot, on en tient compte. Donc vous voyez qu'ici, il vous donne le cas de Tinok Shishba. Alors, vous aviez posé une bonne question tout à l'heure. Donc c'est quoi cette notion de Tinok Shenishba qu'on parle souvent de nos jours et qu'on dit que bon, c'est pas si grave que ça? Alors sur ça, je vous ai répondu que il y a quand même une nuance à faire, c'est que en termes de loi, ce qui est réglementaire, c'est considéré comme une avéra, certes, Béchogeg, on est d'accord, et il faut un corban. Ça, on est d'accord qu'il y a un problème, il faut être métaken, il faut arranger le problème. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a l'aspect psychologique de la chose. Donc ça, effectivement, c'est sûr qu'on va être beaucoup plus tolérant vis-à-vis d'une personne qui est dans un statut, un guéder de Tinok Shenishba, qui le pauvre n'a jamais rien appris, il connaît rien, il connaît pas grand-chose. Donc, évidemment qu'on va être plus tolérant avec lui que celui qui connaît et qui le fait par mauvais esprit. D'accord ? Et on va essayer de trouver un des nafkaminotes qu'on pourrait trouver là-dessus. Je vais vous dire, regardez ici, ce din-là est très intéressant. On est dans Siman Rechaimbe, Ilchot Shabbat, sur le Kiddush. Donc là-bas, le sujet de ce Siman-là, de ce chapitre-là, c'est Al-Eze Yain Mekadeshim, sur quel vin on peut faire Kiddush. Alors vous avez au début, il vous donne un vin qui a pris une mauvaise odeur, etc., parce qu'il a été déposé dans un keli sale, on ne peut pas l'utiliser. Un vin mégoulé, qui est resté découvert, on ne peut pas l'utiliser non plus. D'accord ?
Après, il vous parle des vins qu'on a faits qui sont encore tout frais. Parce qu'il y a un yin de yin yashan et tout dans la gmara. Bon, c'est vrai que de nos jours, on n'est pas tellement habitué à ce genre de truc, mais bon, c'est... On a aussi le yin que les khatrila, on doit prendre du vin rouge, même si meikar adin, selon strik alaha dans Shulchan Aruch, c'est permis le vin blanc, mais il y a un yin de prendre du vin rouge. Bon, il y a tout un yin comme ça au début sur le... la définition du yaïn qui est valable pour le kidouche. Et à un moment donné, forcément, les questions qui se réveillent depuis nos générations, c'est d'une part la notion de yaïn mevouchal, d'accord ? Quel est le statut de yaïn mevouchal ? Et aussi la notion de mitz anavim, le jus de raisin. Donc ce qui a subi un processus de pasteurisation, etc., on voit que c'est des grandes marloquettes tout ça, c'est pas si simple que ça. Est-ce que le yaïn, il garde son shem, son titre de yaïn, ou bien il a perdu? Et même, il y a même des conséquences au niveau des brachot. D'après certaines chitotes, un vin qui a été cuit, il est basculé à chacol, il est descendu de niveau. Ah, plus grande raison, jus de raisin, non? Et jus de raisin, il se peut aussi, oui. Si on considère que c'est dans le même guédère, ouais, effectivement. Bon, en tous les cas... beaucoup de poskim aujourd'hui sont relativement méquilles. Ils disent que on peut faire kiddush sur mitz anavim, sur du jus de raisin, et la bracha c'est à Geffen, ça bouge pas. Pareil, ils parlent ici de yenot chez ovrim tahalir chez pistour ou bichoul, des vins qui subissent un processus de pistour, c'est comme en français pasteurisation, et bichoul, disons. On fait Boré par Geffen et on peut aussi faire Kiddush là-dessus. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, regardez. Donc, on peut avoir à la maison soit un Yaïn Mevouchal ou soit un Yaïn pas Mevouchal. Et il y a des gens qui sont Mahmerim qui veulent prendre Davka pour le Kiddush un vin pas Mevouchal pour respecter toutes les chitotes, avoir un vin cachère à 1000% d'après toutes les déodes. Bon. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que si malheureusement on a à table. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas pratiquant, mais attention, pas pratiquant, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien préciser. Quelqu'un que l'on appelle Mechalel Shabbat Befaresia. Vraiment le cas difficile sur lequel Agmara était très dur, qu'elle le considère entre ça guillemets comme un goy. Ça l'est toujours. Non, comment non, se dire non. Proche, c'est pas toujours, c'est pas toujours. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se cache. Ça existe, ça. Il y a des gens qui sont Mechalel Shabbat mais qui se cachent. On les voit pas. D'accord. Okay. Ça. Il diminue énormément. Hier, on voit sur le cinéma, mais il se gare super loin. Ouais. Il fait attention de trouver une place. Oui, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que ça, il y a toujours un risque qui se. Non, qu'il y a un risque, ça c'est une chose. Bon, mais... Ce qu'on appelle pharisien, c'est ça la question. Bon, qu'il y a un risque, ok, ça c'est une chose. Mais pharisien, est-ce que c'est le mec qui klaxonne? Concrètement, ça veut dire qu'il se cache. Il essaye de ne pas se faire. D'accord. Bon. Mais vous avez au contraire, malheureusement, celui qui. Bon, une des définitions qui ressort de la Gemara, il y en a qui expliquent que. C'est quoi Befaresia? Ça peut être soit devant un gadol, ou soit devant 10 personnes. Ouais, d'accord. Bon, ça veut dire qu'on peut, on peut dire que c'est entre guillemets compliqué d'être Mechalel Befaresia. Bon. Ouais. Mais si c'est le cas, d'accord, la Gemara dit sur ça, Dino Kegoy. Il est comme un goy. Donc il est comme un goy, Nafkamina s'il touche le vin. D'accord? Il devient un sourd. Il devient comme Stamienam, comme le vin des goyim qui est un sourd. Maintenant, il prend le cas ici, quelqu'un qui a à la maison, Shabbat, vendredi soir, admettons, il a un Mechalel Shabbat Befaresia. D'accord? Alors il dit, c'est sûr que dans un cas pareil, le Yaïn Mevouchal, il va sauver la mise. D'accord? Maintenant, il se peut qu'on n'ait pas d'autres solutions. Alors regardez ce qu'il est en train de dire ici. Dans la halakha ici, il est posek. Qu'il va s'appuyer sur certains décisionnaires qui disent que, en ayant prononcé la tfila, on va dire, de Shabbat, donc par exemple, s'il accepte de faire la tfila de Shabbat, ou alors, ça peut être, c'est envisageable, hein, il peut être Mechalel Shabbat de Pharesia, mais il peut aussi faire la tfila de Shabbat, c'est pas incompatible. Ça existe, hein, ça. Il s'appuie ici sur des mekilim qu'en ayant dit
la tefila de Shabbat, dans laquelle on mentionne Zecher le Maase Bereshit et la Kdusha de Shabbat, ça sauve l'histoire. Pourquoi? C'est quoi l'idée? Il rapporte dans la note un Rashi, dans Maseret Choulin, qui explique que c'est quoi la notion de ce Mechalel Shabbat Befaresia, qui a un statut aussi grave que ça. C'est parce que quelqu'un qui fait ça d'une manière ouverte, il donne l'impression d'être comme un kofer, comme s'il renie la Torah et Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Mais si maintenant, cette personne-là prononce ouvertement la tefila et il mentionne la Kedusha de Shabbat et Zecher le Maase Bereshit, donc ça veut dire qu'il témoigne en quelque sorte que Hachem il a créé le monde et il y a eu le septième jour, il s'est reposé, donc la notion du Shabbat. C'est ce qui va sortir de cette fille-là, va lui enlever cette notion de kofer, de renégat. Donc il va s'appuyer sur des mekilim pour dire que ça, ce yaïn il peut être sauvé. D'accord ? Et dans la note à la suite, il rajoute par-dessus ceux qui considèrent que de nos jours, la majeure partie de ces gens-là peuvent avoir un statut de tinok chez Mishba. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui considèrent que s'il en est à ce niveau-là, c'est que probablement il a grandi comme ça et qu'il ne, il n'a pas conscience de l'importance de la chose. Vous savez, il rapporte un Rambam ici, un Rambam dans Ilkhot Mamrin, très intéressant. Il parle des Tzedukim, vous savez les Tzedukim, ce qu'on appelle les Sadducéens. Il ramène que les descendants de ces gens-là, enfants, etc., peuvent avoir un statut de Tinoch Shenishba quelque part. Parce que eux, ils sont nés comme ça, ils ont grandi dans cette éducation. C'est pas eux qui ont fait le premier pas pour changer de voie. Un beau jour, le type il est devenu Tsudoki, et maintenant il a des enfants, des arrière-petits-enfants, ben, ils ont appris comme ça. Quelque part, ça peut être aussi une notion de Tinoch Shenishba. Donc, tout ça pourquoi? Pour. On peut faire un cumul entre ceux qui disent que s'il fait la tefila, déjà, il peut sortir du statut de kofer. En plus de ça, il y a une svara de dire que c'est tinok chez Nishba. Donc vous voyez que, indépendamment du honesh, entre guillemets, de la sanction du korban sur l'erreur qui est faite, à côté de ça, il y a le côté psychologique, l'aspect psychologique qui te fait dire que, bon, finalement, ce type-là, c'est pas de sa faute. Vous voyez, donc dans ce sens-là, effectivement, Tinoch Shenishba, ça va minimiser la chose. Oui. Mais maintenant, en termes d'erreur qui a été faite, l'erreur a été faite. Il faut une capara là-dessus. Ça ne change pas. Et bien, mec, je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre le point de marloquette entre Chachamim et Mounbaz, pour revenir sur la Gemara. Mounbaz, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Tinoch Shenishba, il n'est pas tour, il est hors circuit. Pourquoi tu veux lui donner une sanction? Il ne connaît rien. Oui, il ne connaît rien, mais concrètement, il a fait une action. Il a fait une erreur. D'accord ? Donc peut-être c'est ça le point de marloquette. Ouais. Est-ce qu'on va considérer ça comme une véritable erreur et donc il sera chayav au moins d'un korban ? Ou alors on va dire non, c'est une erreur, mais on ne peut pas comptabiliser ça comme une erreur puisqu'il est hors circuit. C'est peut-être ça le point de marloquette. Ensuite, donc ça c'était Perek Bet à la Chavav. Donc ça illustre aussi ce qu'on avait dit sur le Tinoch Shenishba. On a ensuite Perek Bet, toujours, cette fois-ci Halakha Bet. On va revenir en arrière. Il dit Rambam Avar Avera, donc il a transgressé une Avera, Veyodea Shehi Belota Ase. Ça aussi, ça va vous rappeler la Gemara. Donc il sait qu'il y a un Lota Ase là-dessus. Il sait que la Torah interdit. Mais il ne sait pas que si on fait cette avera bémézide volontairement, le honesh, la sanction est karet, ça il ne le sait pas. Arezé, arezo, shgaga, donc c'est considéré comme un statut de shogeg ou mevi hatarat. Vous vous rappelez ça dans la Gemara? Shogeg, belav, et pas be. Non, comment c'est le terme? Mézide sur un trou dans la comment c'est le. Ça mère tête. Comment c'est la phrase d'Agmara?
C'est Rabbi Yochanan qui dit ça. Voilà. Kivan chez Shagag Bekaret, Afalpi chez Hezid Belav. D'accord ? Donc pas comme Resh Lakish. Vous voyez que Rambam, il a pris comme Rabbi Yochanan apparemment. Rabbi Yochanan qui explique Shitat Chachamim. Parce que Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent Shigegat Korban, Loshma Shugaga. Rappelez ça, on a vu dans la Gemara. Hein? Shogeg sur le Korban, ce n'est pas une notion de Shgaga. La Gemara, elle demande mais qu'est-ce que ça veut dire exactement. Sur ça, il y a Machloket, Rabbi Yochanan et Resh Lakish pour comprendre Shitat Chachamim. Rabbi Yochanan, il dit Kivan chez Shagag Bekaret, le fait d'être Shogeg sur le Karet, c'est-à-dire de ne pas savoir qu'il y a une sanction de Karet si on est Mézid, Afalpi chez Ezid Belav. Peu importe ce qu'il a fait sur le lave, même s'il a été Mézid sur le côté Issour. Négatif de la Torah, grâce au shogeg sur le karet, ça le rend shogeg. Là, vous l'avez clairement aussi dans le Rambam. Donc ça aussi, c'est un passage important dans cette Gemara. Sa mère tête à Moudalé. Et enfin, on a Perek... Zayin al-Khabet, bon, je crois qu'on l'a déjà vu, al-Khabet, non ? Ouais, on l'a déjà vu, Zayin al-Khabet. Bon. Donc voilà, ici, il y a 2-3 halakhot dans le Rambam qui résument cette sugya pour avoir une vision claire des choses. Maintenant, nous, on est arrivé. Où est-ce qu'on est arrivé la dernière fois ? Oui, on devait terminer le Ayodéa Ikar Shabbat. C'est ça, on avait arrêté là. On avait fait tout le passage de celui qui se retrouve dans le Midbar. Il ne sait plus quel jour c'était Shabbat. On a vu les dinim, comment il devait compter. Voilà. Donc Ayodéa Ikar Shabbat. Donc ça, on passe au deuxième cas de la Mishnah. Revoyons un peu la Mishnah, ce qu'elle avait dit. Cas numéro 2. Ayodéa Ikar Shabbat. Donc apparemment, là on est dans le cas où il connaît, du moins il connaissait les lois de Shabbat. Il savait qu'il y avait des interdictions. Mais apparemment, il a oublié maintenant. Donc du coup, il a fait plusieurs erreurs. Be Shabbat otarbe, sur plusieurs Shabbat. Chayav, alcool, Shabbat, ve Shabbat. Chaque Shabbat, il va falloir... Ouais, ça Mishnah, ça. Ça, c'est le deuxième cas de la Mishnah. D'accord ? La Gemara reprend ce deuxième cas de la Mishnah. Et... Moi, on va poser la question. Menahane Mile. D'où on apprend cela ? Qu'est-ce que ça veut dire d'où on apprend cela ? Ayodéa Ikar Shabbat. Ça veut dire qu'il est au courant de la tout chose. Tout simplement, pourquoi on pose la question ? Pourquoi on pose la question Menahane Mile ? Non, Menahane Mile, ça veut dire d'où on apprend ce dîne-là. D'accord. La Gemara nous donne un dîme qu'il est chayav sur chaque Shabbat. D'où on sait ça? En fait, c'est quoi le problème? Le fond du problème, c'est que on a vu deux systèmes. C'est pour ça qu'on se pose la question maintenant. On a vu un système qu'il existe parfois un chiyuv chatat sur plusieurs Shabbatot. Et on voit parfois que chaque Shabbat est géré différemment, séparément. Donc ça, Mina Némié, c'est-à-dire d'où on apprend cette notion de que parfois un Khatat peut couvrir un ensemble de Shabbat, et parfois non, c'est chaque Shabbat Nifrad, séparément. On essaie de comprendre d'où ça vient.
Il y a bien un accord dans la Torah qui nous fait dire ça. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Rav Nachman, au nom de Rabba Baravua, répond, il dit, Tre Kraektive, parce que nous avons deux psukim qui ont été écrits à ce sujet-là. Deux psukim dans la Torah. On a un premier pasouk qu'on retrouve dans le Chumash Shemot, chapitre 31. Veshamehu bene Israël et Hashabbat. Donc vous voyez ici que il y a une notion de Shmira. On mentionne ici la Shmira, le fait de garder le Shabbat. Quand on dit le Shabbat, apparemment, c'est la Shon Yachid. C'est au singulier. Donc on met en valeur ici la notion de respecter HaShabbat, le Shabbat. Donc, le, c'est un. Ourtiv. Mais il y a un autre verset dans la Torah, dans le Chumash Vayikra, chapitre 19, où là-bas, on va parler aussi de la notion de Shmirat HaShabbat, cette fois-ci au pluriel. Ve'et Shabbatotai, me Shabbat, tishmoru, vous serez chômer, vous le garderez. Donc, une fois, on mentionne la Shmira de Shabbat avec le Shabbat en Lachon Yachid au singulier. Et une fois, on mentionne la notion de Shmira de Shabbat au pluriel. Donc, c'est bizarre. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire par là? Il y a une kavana derrière. Haketzad. Alors, comment ça marche? Comment c'est possible? Il faut savoir. C'est ou un ou plusieurs. Il répond, Veshameru bene Israël et Shabbat. Le premier passage qu'on a cité qui mentionne la notion de Shmirat Shabbat, d'un Shabbat, c'est-à-dire qu'il existe la notion dans la Torah de Shmira Ahat, une Shmira, les Shabbatot Harbe, sur plusieurs Shabbatot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut arriver à un avertissement de Shmira Ahat pour plusieurs Shabbats, c'est-à-dire que, certes, il y aura plusieurs Shabbats en jeu, mais d'accord, mais on met ici en valeur la Shmira Ahat, une notion de Shmira, sous-entendu, un Khatat qui pourrait couvrir tout l'ensemble de ces Shabbatot. Et Ve'et Shabbatotai Tishmoru, on voit ici Shmira Ahat, l'Echol Shabbat Veshabbat. Puisque là, on parle de plusieurs Shabbatot, donc on va parler de la notion de Shmira de plusieurs Shabbatot, dans le sens où on serait amené à un Khatat sur chaque Shabbat. Donc les psukim de la Torah nous dévoilent ces deux notions-là. Ok ? Alors bien sûr, on est d'accord que des mots du pasouk, on n'a pas l'information claire et nette, quel est le cas de figure, on est d'accord. Bon, mais ça, c'est le soin que Akadosh Baruch Hu a donné au Chachamim d'expliquer le pasouk. Donc, c'est Chachamim qui vont nous expliquer quelle est la kavana qui ressort du pasouk numéro 1 et qui ressort du pasouk numéro 2. Mais en tous les cas, ces deux psukim-là, c'est eux qui nous donnent la notion. Et donc, c'est pour ça que Chachamim, comment ils vont expliquer la chose? Le pasouk sur lequel on apprendrait qu'il y a un chiyuv d'un seul khatat, eh bien, va parler probablement de celui qui a oublié le premier cas de la Mishnah, c'est-à-dire Ashocheach Ikar Shabbat. Lui, la logique voudrait que ce soit un khatat. Pourquoi? Parce que finalement, tous les Shabbatot qu'il a profanés, certes inconsciemment, on va dire involontairement, tout ça c'est appelé une Shgaga. D'accord? C'est-à-dire que le fait de ne pas savoir, le fait d'être Shocheach Ikar Shabbat, de ne pas avoir cette conscience, fait en sorte que ces plusieurs Chiloulim de plusieurs Shabbatot
sont considérés comme étant dans une même shgaga. Mais là, dans les mots, quand il dit, vous avez essayé d'expliquer quand il dit matkif la rabbinat ou non? Ah non, je ne suis pas encore là. Non, je ne suis pas encore là, d'accord, ok. Je suis pas encore là. Non, pour l'instant, on est en train d'expliquer. Le principe de... Rav Nachman nous rapporte la dracha. Un se rapporte à partir des deux flux. Ok. Donc on a Veshamro ben Israël à Shabbat. De là, on apprend qu'il y a une notion de Shmira Achat, c'est-à-dire on est averti sur une faute qui amènerait Achatat, même sur plusieurs Shabbatot. Et l'autre passo qui dirait que non, cette fois-ci, chaque Shabbat. Nécessite un fait attention. D'accord, très bien. Donc, bien évidemment, maintenant le cas où il va falloir amener plusieurs chataot, eh bien, c'est le cas où il connaissait le Icar Shabbat, mais qu'il a oublié, sur plusieurs Shabbatot, il a oublié que c'était Shabbat. D'accord ? Bon, ça, on avait vu au début, vous vous rappelez, c'est le pshat de Rashi qui nous avait aidé là-dessus au tout début. D'accord. Il nous a dit que c'est quoi la svara qui nous fait comprendre qui serait chayav sur chaque Shabbat. C'est que les yamim benataim, les jours entre chaque Shabbat, sont appelés yedia, les halek. Ce sont des jours où il aurait été censé savoir son erreur. Oui, ouais. Ce qu'on ne peut pas dire dans le premier cas. Mais là, on peut le dire dans ce cas. C'est ce qu'il avait expliqué à Rachid. On en parlera demain, mais ça me fait penser à ce qu'on avait hérité sur le cas qu'on avait, l'objet qu'on a vu. Les témoignages. Ouais, ça me fait penser à ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle Yamim Sheb Ben Taïm, Havian Yedia Lechalek. On les sépare. On est obligé de les séparer parce que normalement, il est censé se rendre compte de son erreur. Ce qu'on ne peut pas dire dans le premier cas. Maintenant, Matkifla Rav Nachman Bar Yitzhak. Alors cette fois-ci, c'est Rav Nachman Bar Yitzhak. Je ne sais pas si c'est le même qu'en haut. Il y a peut-être plusieurs Rav Nachman. Il dit à des rabbins, au contraire, Ipra Mistabra. Il aurait été plus logique d'inverser la déduction des psukim, de dire Veshameru bene Israël et Shabbat. Ça nous apprend Shmira Achat, la notion d'une Shmira, puisque c'est la Shon Yachid, l'Echol Shabbat Veshabbat. Séparer chaque Shabbat. C'est-à-dire une Shmira pour un Shabbat. Lui, il dit que la notion de la Shon Yachid, elle serait plus claire si on disait que il s'agit d'une Shmira, d'un Shabbat. Mais ne me mets pas un ensemble de Shabbatot dans une Shmira. Lui dit à l'inverse. Ça, ce serait plutôt Ve'et Shabbatotai Tishmoru. Là, je comprendrais plus la notion de Shmira Ahat, les Shabbatot Arbe. C'est marrant. Enfin, moi, je vois pas comment on pourrait penser. Bon, ça, il faut qu'on reprenne. Non, mais c'est bien, vous avez raison de poser l'exemple. Venez, on reprend. Reprendre les deux versions, essayer de voir comment on sort. Allez-y, relisez la première chita. Rav Nachman Amar Rabba Baravoua. Alors, Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravoua. Ouais. Alors, il dit effectivement Rav Nachman, au nom de Rav Nachman Bar. Ok. Alors très, il y a deux pasouk activés sont notés, sont décrits. Veshem Rabbi Israël Shabbat, Uktiv, Vetabetai Tishmoru, et voilà. Donc ça, c'est les deux pasouk qu'on a cités. A Ketsad, comment? Veshem Rabbi Israël Shabbat, Shmira Achat. Le verset Veshem Rabbi Israël Shabbat correspond à une Shmira, les Shabbatot Arbe. C'est-à-dire qu'effectivement, ça concerne le principe de Shabbat, et donc pour tous les Shabbats. C'est une Shmira, mais concernant tous les Shabbats de façon générale. Ve'et Shabbatai Tishmoru, et le pasuk Ve'et Shmira Achat correspond à une Shmira, mais par contre, le Chol Shabbat Ve'et Shabbat.
Matkif là, donc il vient, ça, il répond, il objecte. Rav Nachman, Baritrak, donc lui, Rav Nachman, Baritrak, il objecte. Adraba, au contraire, Iperha, il aurait fallu renverser.